WeDoBiz est sur l'EBN Congrès dédié à l'innovation. Avec nous, Pierre Joachim, vous êtes le cofondateur de l'accélérateur de projet du groupe d'Enedis. Enedis, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces projets que vous accélérez ? Alors effectivement, on a créé un accélérateur de projets en Île-de-France-Ouest pour Enedis, pour les projets d'avenir des salariés d'Enedis. Et concernant ces projets, on a des projets managériaux, des projets liés au réseau électrique, à la gestion du réseau électrique d'Enedis. Qu'est-ce qu'on a encore comme projet ? On a des projets liés au recrutement aussi. En ce moment, on a une problématique de recrutement, donc on cherche des nouveaux moyens pour recruter. En fait, vous êtes dans une démarche de renouvellement, de modernisation du groupe, par des start-up. C'est ça, on est dans une démarche de transformation du groupe. Transformation. Et comme on n'a pas toutes les compétences, toutes les expertises en interne, on est souvent amené à faire appel à des start-up qui vont avoir une autre vision et avec lesquelles on va pouvoir collaborer et co-créer des projets. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur ce congrès ? Alors, sur ce congrès-là, donc on est sponsor du congrès. Et ça nous a permis de rencontrer de nombreuses startups, de pouvoir rentrer en synergie avec elles et pouvoir leur parler de nos projets et voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour collaborer ensemble justement dans cette démarche. Aujourd'hui justement, à quel point les grands groupes ont-ils ou doivent-ils collaborer avec les startups selon vous ? Excusez-moi ? Aujourd'hui, à quel point les grands groupes doivent-ils collaborer avec les startups ? Je pense que c'est vital puisqu'on n'a pas les mêmes rythmes quand on est une grosse société. On va souvent mettre un peu de temps pour avancer sur un projet. On va pouvoir de temps en temps s'endormir sur ce projet-là, alors qu'une start-up, c'est vital pour elle d'avancer vite. Et du coup, réussir à se mettre sur les rythmes d'une start-up va être bénéfique et pour la grande entreprise et pour la start-up. Et on va pouvoir grandir ensemble. Je pense que c'est vraiment une relation de partenaire en fait, à créer avec elle. Merci Pierre Joachim, à très bientôt sur WeDoBiz. Merci. Thank you.